La joaillerie française, c'est la place Vendôme. Mais c'est aussi Paris. La France est cette galaxie d'ateliers, d'artisans et de créateurs qui la constituent. Depuis plus de 150 ans, la Haute École de Joaillerie forme les meilleurs créateurs, bijoutiers, joailliers, orfèvres, en un mot, les mains de demain. Au fil des années, elle n'a cessé d'investir et de se moderniser pour rester à la pointe du savoir-faire qu'elle enseigne, afin de faire rayonner l'art joaillier français. Qu'on se le dise, la Haute École de Joaillerie, tant par la qualité de son enseignement que par son lien filial avec le métier, n'a aucun équivalent dans le monde. La Haute École de Joaillerie s'adresse à tout type de public. Elle accueille toutes les familles du métier et irradie l'ensemble du secteur. Elle assure un niveau d'employabilité de 100%. En formation initiale, l'école propose deux filières. La filière fabrication, sanctionnée par le certificat supérieur de joaillerie, CSJ, diplôme spécifique à l'école et en phase complète avec les besoins du métier. Cette filière forme en 3 ans des praticiens capables de réaliser entièrement une pièce de bijouterie joaillerie. La filière création est sanctionnée par le bachelor design bijoux, diplôme également spécifique à l'école et qui forme au métier de concepteur designer de bijoux, accessoires et objets précieux. Mais elle propose aussi en 1 an le bachelor numérique, conçu pour les infographistes et les prototypistes de la joaillerie. En alternance sur son site de Paris, d'Aix-en-Provence et de Reims, l'école prépare au certificat d'aptitude professionnelle, CAP, et au brevet des métiers d'art, BMA. La Haute École s'adresse également aux particuliers et aux entreprises. Pour les entreprises du secteur, plus de 50 formations sur mesure à la carte. Et bien sûr, les CQP, formations qualifiantes reconnues par l'ensemble des entreprises de la branche. Elle a aussi conçu un diplôme unique, le MBA spécialisé Management en bijouterie joaillerie, option fabrication-production, ou option création-design, qui forme à des postes de management et de direction dans les principaux secteurs de la bijouterie joaillerie. Pour les particuliers en reconversion professionnelle continue, elle propose des formations diplômantes reconnues par l'État. Et pour ceux qui souhaitent découvrir la filière, des programmes moyens ou courts, qualifiants ou professionnalisants sur la connaissance du secteur. Et puis la Haute École de Joaillerie propose des formations destinées aux étudiants étrangers. Ces formations intègrent toujours la volonté de rattacher l'enseignement de l'art joaillier à la France et à sa culture. Créée par le métier, pour le métier, la Haute École de Joaillerie est le plus ancien et le plus prestigieux établissement au monde. Son lien filial avec la profession en fait un des piliers de la transmission du savoir-faire français. Digne héritière de la Corporation des Orfèvres, la Haute École continuera de porter ses valeurs d'exigence et de modernité pour les 150 ans à venir.